Dorval, bonjour. Une seconde. Nous avons un petit problème technique là. Oui. En seconde, hein, pour nous capables permettre aux auditoires d'attendre l'intervention du professeur Montferrier Dorval, qui lui-même c'est droit, c'est bâtonnier de l'ordre avocat Port-au-Prince, qui a gagné une réaction sous attaque ça qui fait contre cabinet M. Samuel Badistin. Et en seconde, on va arriver Johnny Pierre Renaud. Oui, pour une autre fois encore payé en saute pour tomber dans une crise sans pareil, puisque le dossier syndicat police nationale a déjà pris une autre dimension. Une autre fois encore, on a rappelé hier mercredi 19 février, policiers étaient dans la rue pour continuer à exiger une plus bonne condition de travail, assistance sociale concrète qui ont plus bon traitement cagoulé zamnamé agent force l'odiotissime panique dans divers coins dans zone métropolitaine Port-au-Prince en sorti carrefour aéroport passé Delma pour Albout sous champ de masse en pile monte katande bribal toute qualité dans zone palais national moun yo pas arrivé identifié mette du feu dans divers chars carnaval qui était campé dans stade Silvio 14. Nous avons établi contact avec professeur Montferrier Dorval. Bonjour. Bonjour Pierre Ludessel, bonjour Pierre Renel, et bonjour auditeurs, auditrices de Radio Caraïbes. Oui, ou bien en réaction par rapport à Taxa qui fait contre cabinet M. Samuel Badistin hier. Bon, M. Badistin sans éminent au Canada. Donc cabinet a subi une attaque et nous condamnons des avocats du Port-au-Prince condamnés à dans son membre de l'ordre, n'ont condamné énergiquement l'attaque qui fait sous cabinet M. Samuel Badistin. M. Samuel Badistin, nous considérons que nos situations, nous avons vu nos situations d'intolérance. Il y a une opinion contraire, nous n'avons pas partagé l'opinion, c'est toi, nous n'avons pas partagé l'opinion, mais nous avons attaqué le cabinet. Au cabinet avocat, il est inviolable. Donc, nous n'avons pas de même considérer que sont atteintes à la liberté d'expression. Nous avons une opinion, nous n'avons pas partagé. Et que nous avons un débat sur le droit de débat. Nous comprenons qu'on couche la population qui a exprimé qu'on demande. Et demande-là, nous n'avons pas partagé par tout le monde. C'est normal, ça arrive dans la société. Et c'est normal tout. La Constitution garantit la pluralité des opinions. Ouais. Et il garantit la liberté d'opinion et l'expression d'opinion. Donc, on ne parle pas d'inquiété pour l'opinion que l'exprimer. Nous ne devons pas partager l'opinion, mais mon nom lui-même, il doit qu'opinion. Donc, c'est ainsi que nous-mêmes, nous considérons comme son atteinte à la liberté d'expression, nous avons un climat d'intolérance. Moi-même, de la rue à tout, dans le où on confrère non Mel Blair qui était maman mourir dans sa journée, les non vivants ont bloqué, me prend 3 heures de temps pour me péter sur eux. Donc c'était vraiment l'enfer. Et non, vous allez observer, c'est comme si que hier, pas d'autorité dans le pays. Bon, c'est la police qui vous bat la sécurité, vous sentez pas de personne dans la sécurité, population livrée à lui-même, mounio livrée à lui-même. Et tout le monde s'est couru, il a couru, machine à péter ici par là. Donc là, son bagage est tout dérapé. Normalement, dès qu'il faut l'État pour l'instabilité, il faut la police aussi. Il faut que le directeur de police là assure leadership pour que l'autre régne dans le pays. Parce que qui voit la police là? La police là, pour assurer l'ordre. Parce que toi, l'ordre dans le pays, tout ça, l'ordre là, il y a tranquillité, il y a sécurité, il y a la sûreté. Donc maintenant, hier, nous sentions que l'État était inexistant. Nous nous livrons à nous-mêmes et nous avons l'impression que même autorité dépassée par la situation. Ça nous demande, on retourne au calme pour nous garder qui s'est demandé, policiers a demandé. Bon liberté syndicale, parce que c'est un véritable débat qu'on dit là-dedans. Et bon liberté syndicale qui garantit par la Constitution. Il faut reconnaître ça. La liberté syndicale est garantie par la Constitution. Quel que soit dans le secteur public ou privé, ou bien droit à la liberté syndicale. Qui ça au syndicat doit faire?
syndikat dwe defan intire travayor yo di moun sa. Se sa et syndikat yi. Di pake, se sa konstitusyon, se defans eksklusiv de intire de travay. Metnen, eske la polis ki do a syndikat? Son de moun ki pa d'akos, de moun ki d'akos. Me konstitusyon kler, pa gen ambiguite la tan. Moun de doa eksprime, opinyon kontrèr, se doa moun nan. Si le fume au contraire, il n'y a pas des droits menacés pour ça. Maintenant, ça n'a pas posé au niveau de la police, c'est le droit de grève. Le droit de grève, donc, il est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Nous pouvons jamais fixer les limites du droit de grève. Quand on dit, est-ce que grève-là, il faut le notifier avant de lancer grève-là, il faut qu'on prie à vite bail. Il faut que on nomme de temps pour grève la fête. Nous pouvons une loi sur ça. Et la grève était interdite dans les services publics. Et même dans les constitutions de 57, de 64 et de 83. Donc maintenant, ça, nous apprenons à son liberté syndicale. Garantie. Maintenant, est-ce que nos polices là, nos lois à faire, nous pouvons aller mettez des limites à l'exercice du droit syndical. Mais le droit syndical est reconnu partout dans le pays, partout. Même en France, il y a l'alliance police, des syndicats de police. Maintenant, comment on va réglementer ? Est-ce qu'on va mettre des limites ? On va comprendre de mettre des limites pour exercer le droit de grève. Donc on va arriver jusqu'à interdire la grève de la service de police. Ça va arriver. Mais le droit syndical est garanti par la Constitution. C'est l'article 35, quand on reconnaît ça, et m'appeler article 1, c'est tout les clairement exprimé, tout la liberté syndicale, c'est l'article 35-3, la liberté syndicale est garantie, tout travailleur des secteurs privés et publics peut adhérer au syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusive de ses intérêts de travail. Donc, maintenant, quel que soit secteur public ou privé, il va mettre des restrictions. C'est en donnant droit de grève là, nous devons appliquer des limites. Maintenant, nous mettons appel au calme pour vraiment prendre son en main. Pays à livrer à lui-même, citoyens ou nous pour continuer. Et on pense que la police là lui-même, il faut assurer la sécurité citoyenne. Policier autour, bon bout de police qui va venir visiter, mais l'autre police autour, il faut la sécurité à venir. C'est rôle, c'est responsabilité. Nous ne pouvons pas quitter pays à livrer comme ça. Maître Madisney s'est exprimé lui-même du bon l'autre. Mais au contraire. Ligue droit ça. Parce que dis-je dans mon interprétation que l'autre monde va partager. Mais il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit d'attaquer le cabinet pour ça. Il n'y a pas de droit d'attaquer personne. Hier soir, pour mon tirer l'aime, il dit que la vie de la voie de maître Madistin est aussi en danger. Nous-mêmes, en tant que hôte des avocats, nous ne sommes pas d'accord. Nous condamnons toutes atteintes à la vie privée, à la vie même, à la vie d'une personne. Toute atteinte à la vie. Vous n'avez droit à la vie. De même que le policier a demandé pour le respecter, pour le droit syndical, de même tout, l'autre monde a droit à la vie. Et droit aussi à la protection de ses biens. Au cabinet d'avocat, pas qu'à faire l'objet de menaces jusqu'à ce que pour nous tenter pour essentiel. Hier soir, j'ai parlé à M. Padistin, lui dit que notre situation peut lier, nous parler sur ça, lui dit que si il a fallu les livrer qui ont péché le cabinet du jeu, et vos paquets de dossiers le cabinet. Nous demandons qu'on appelle au calme, faut nous prendre une occupation. Moi, je revendique le droit que policiers, le droit syndical des policiers. Policiers ont des droits syndicaux.
Constitution même parle même droit d'association, on continue à parler de droit syndical. Le droit syndical est garanti. Pas aucun problème de droit syndical, mais tant que c'est réglementé, vous pouvez le démontrer. Comment il appelle la police là, mais le droit est garanti. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, quelqu'un peut avoir une interprétation différente, ce que je respecte. L'État doit faire l'objet de menaces sur sa vie. Il va faire l'objet pour attaquer Cabinel, pour attaquer Bien. Nous-mêmes, en tant que conseil de l'ordre, en tant que ordre des avocats, nous condamnons énergiquement ce qui s'est passé. Nous condamnons toute population aussi qui est victime de situation. Nous sommes victimes de situation. Ça. Nous demandons pour l'autorité de l'État pour rétablir l'ordre dans le pays. Il n'est pas normal. L'ordre. Parce que ce qui s'est passé est inacceptable. Donc, attaquer cabinet ou pas, il doit attaquer cabinet, c'est pas distinct, de même tout, population tout, pas qu'à victime aux situations comme ça. Et si la police retire comme ça, c'est passé là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et cette situation-là, faut autorité au tendez, le droit syndical est garanti, même pour les policiers. Même pour les policiers. Mais ils ont trop problème non dit là-dedans. Pour que ça n'aille pas avoir une loi, c'est associé, associé. Mais tant dans le respect, le policier va nous agraver, briser. Parce que où là pour établir l'ordre, c'est où même pour établir l'ordre dans le pays. C'est où est le police là. Policier qui est au plan d'un droit administratif, où on t'expliquait tout à l'heure. Qui ça signifie? C'est impliqué la tranquillité, la sécurité, la sûreté. Donc c'est où le police là pour le bail, pour le bail, pour le bail, pour faire ça. Le police n'a pas qu'à dire, nous on désordre aussi. Mais nous demandons, pour autant des policiers, nous faisons demander un appel au calme, pour que nous ne soyons pas victimes d'une situation comme ça. Et comment l'autre conseil de ça attaque Michel dans le cabinet. D'accord. Et comment on est, et dit action, instruction générale qui mandé pour que y ait révoqué, de fait, il y a annoncé qu'il y a révoqué 4 ou 5 chefs de file syndicats déjà. Ok. Policiers ont un droit syndical. Et pour travailler dans le secteur public, ou toujours un droit syndical. On va faire des autres. Maintenant, il n'y a pas ce que dans le syndicat, où il doit exposer n'importe quelle manière vis-à-vis des autorités. Il y a ce que dans le syndicat, où il fait n'importe bagaille. Ou même, si on pensait qu'on croit des ontologies dans la police là. On chante, on fait. Le policier n'est pas dans le côté pour la carte brisée. Le policier n'est pas dans le côté pour la mettre du feu. On chante pour l'exprimer. On laisse faire tout. C'est le rôle de l'inspection générale pour le relève. Maintenant, qui sanction qu'apprend? Est-ce que c'est, je dois moi lui prendre un contrat? Est-ce que c'est la réalisation du contrat? Bon, est-ce que c'est ça qu'on fait? Donc, ça y est. Donc, c'est comme ça que vous faites. Mais, policiers, hein, de même que vous avez des droits, dont le droit syndical, mais le contrat voit aussi. Respecter. Mais nous, pas qu'à là, pas qu'à l'église. Parce que lui poser problème, là, où est son policier, qui est là pour assurer l'ordre, c'est les mêmes qui ont fait ça. Nous devons être la normale. Donc, vous demandez que, on appelle pour, bon, que vous-même, pour qu'on résolve beaucoup aussi. L'instruction générale, on va être un mécanisme pour résoudre le problème. Est-ce que l'instruction générale a décidé, pour qu'on résolve beaucoup? Parce que, vous pensez, c'est. Il faut voir le groupe ou non, exister. Le droit de groupe ou son droit sacré. Quel que soit l'individu, il y a un droit de groupe ou. Il faut avoir un mécanisme. Laisse vos décisions. Il existait le droit de groupe ou là, M. Devan. Yes. Vous parlez avec votre parole là, qui dit droit de groupe ou là, il existait. Il existait. Il faut entendre le tout, il faut entendre les policiers, dans le respect. Il faut policier à tout, et pas parce qu'il y a un droit syndical, il faut le craser, briser. Son droit peut le gagner. Parce que, majoritairement, nous sommes d'accord pour que les policiers aient le droit syndical. Nous sommes d'accord, ça. Ce n'est pas le droit de faire, c'est le droit syndical. Maintenant, lorsque vous faites une décision contre l'autre, il faut vous écouter et aller. Pour exprimer
nous avons le droit pour exprimer. Parce qu'on n'est pas capable de dire aux sanctions contre le monde, on n'a pas le droit pour l'exprimer. Il faut avoir un mécanisme pour nous résoudre. Non. Si que, au niveau administratif, il ne peut pas avoir de sanctions, il ne peut pas avoir de. Je vois nous quoi épuiser. Là, il y a du vol. D'accord. Il y a des recours. Des recours juridictionnels. Il y a devant le tribunal. Mais, nous demandons que, ou que, on appelle au calme pour que l'État garantit le droit syndical des policiers, qui ont droit constitutionnel que lié. Une convention ne saurait être contraire aux constitutions, c'est-à-dire en l'air, convention pas capable ou de ces constitutions. Oui. Mais le magistrat qui a exprimé une opinion contraire, elle a le droit, elle a des arguments là-dessus, mais il n'y a pas que d'exprimer une opinion contraire à ça, ou que vous menacez ville, ou que vous marquez, vous même tenté même pour débouler le cabinet, parce que comme M. Balissé dit, c'est lui qui voyait sauver monsieur, pour que vous prenez l'eau, vous empêchez le cabinet à prendre. Oui, d'abord, le mandat, M. Dorval, rapidement pour le capable de finir, d'abord, le mandat, comment harmoniser, ou bien, quelle harmonisation qui est possible entre déontologie PNH et constitution en Akasa? Non, déontologie, c'est pas qu'à contrer à la constitution. On y rachète des normes. Constitution première. Parce que question syndicale n'a pas traité par déontologie. Il traité par constitution. Nous avons tout travail des secteurs publics et privés. Le policier, il a un secteur public. Et qui ça, syndicat fait, c'est pour défendre le droit. Parce que bon malaise, il y a un problème si on veut faire syndicat. Nous estimons que nous ne pouvons pas bien traiter, gros problème. Faut directeur général de police là pour le tendre. Un problème qui pose. Si au départ, si avant tout pour des problèmes, ça, bon problème. Mais ça, c'est pour tendre. Mais l'appétit, c'est droit syndical là. Le droit syndical pas permettre que nous ne pas respecter, nous avons des devoirs aussi pour respecter. Bon, ça pour exprimer. Mais le droit étranger, nous pouvons mettre les syndicats, par rapport à l'autre monde, nous avons un droit beaucoup plus souple pour être capable d'exprimer. Parce qu'on ne peut pas condamner au moins qui dans le syndicat par rapport à l'autre. Donc nous permettons de gagner un droit beaucoup plus souple pour que la liberté d'expression, ça, nous puisse exprimer. Mais c'est pas parce qu'on gagne un droit pour le syndical, qu'on empêche au monde d'exprimer. Ou même tout, on ne peut pas exprimer par rapport à l'autorité. D'accord. C'est là la déontologie à mes yeux. D'accord. Même les compétences syndicales, on ne peut pas exprimer. Comme monsieur, si on veut, nous réglementer les droits syndicales à l'intérieur de la police, ça sera notre question. Mais le droit est garanti par la Constitution, ce droit ne saurait être interdit. Merci un peu. Par ailleurs, c'est pas question de syndicale. Guédez, moi, avocat, qui victime. Donc, vous pouvez dire ça, parce que j'attendais. Quand on a une prison civile là, il y a 5 agents de la prison civile qui ont agressé. Et alors que les numéros dont ordre de visite du parquet, de contourisation express, le Bali, pour nous visiter 3 prisons. Mais surtout que l'aller, même les que avocats, un comportement de Wagner Fratel. Et nous condamnons chaque passé. Nous avons écrit 2 lettres. D'abord, nous faisons un combat administratif d'abord. 1. Direction police et prison civile. Nous retournons l'autre lettre à Pena. Nous avons saisi le directeur général là et donc l'instruction générale. Nous sommes au niveau administratif. Nous voulons un bon rapport harmonieux, pentagonal. La police. Nous faisons rencontrer le directeur général. Mais ça n'a pas. Avocat du paquet droit, aucunement agressif. Mais très souvent, son avocat là, avocat n'a pas subi contrainte dans l'exercice des fonctions. La Convention américaine des droits de l'homme dit que il reconnaît le droit à l'intégrité physique de toute personne, y compris l'avocat, qui est une personne aussi. Maintenant, pas de problème entre police, là, entre policiers et un avocat. Avocat, il a un comportement qui contraire à la déontologie. Nous demandons pour nous-mêmes donner des droits policiers à référer la supériorité qui saisit le barreau, le dé d'avocat. Nous-mêmes, nous avons une instruction disciplinaire.
quand même que si un policier fait un avocat pour bagarre, nous-mêmes, nous avons touché l'administration de la police. Nous avons besoin de bagarre arrêtée, conflit à sa trop durée, avocat mécontent pour que le policier frappe. Un policier pas qu'il doit frapper un avocat. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire frapper. Et si avocat, il s'est arrivé, avocat, bon comportement, qui choque le policier. Et si le policier a senti que l'avocat fait un bagage qui passe, la préférée à supérieur hiérarchique, qui elle-même a saisi le conseil de l'ordre, nous autres, en tant que bâtonnier, ça l'a fait, n'a ouvri en instruction disciplinaire. Mais policier, pas de faire avocat, et nous demandons tout avocat, nous respectons les policiers, nous défendons les droits, les policiers pour respecter les avocats. Donc, tout ça est pour amener. Mais question ça, nous créons une agitation au sein des avocats. Nous-mêmes en tant que bâtonniers, nous protégeons. Question en main bâtonnière. En main, conseil de l'autre. Avocat, pas qu'il doit faire l'autre bagage, c'est nous qui avons fait des questions. Nous sommes saisis du dossier, n'a pas fait ça pour nous faire. Nous demandons un peu de sérénité, nous-mêmes, n'a pas traité, j'aime traiter le dossier. D'accord. Merci un peu, maître Monferrier Doval. Ça a été obligé. D'accord, maître Monferrier Doval, un peu après, et qui c'est bâtonnier, l'ordre avocat à Port-au-Prince, donc qui t'a pas réagi suite à l'attaque qui fait contre le cabinet, Samuel Madistin, ancien sénateur de la République, une représentant d'une responsable fondation J'éclairé qui était mettée en garde contre conséquences néfastes mises en place et un syndicat en dehors de la loi et dans désordre dans l'institution. La police là, avant nous allons rejoindre Madame Christinette Saint-Georges Pierre-Renel, gagnant fondation J'éclairé qui lui-même c'est une organisation de défense des droits humains qui engage dans préparer chaque haïtien pour venir un leader responsable et participer dans la vie publique pour renouvellement yon l'État-nation qui fondé sous principe droit moun ak développement durable et bien lui informer opinion publique nationale et internationale là, mercredi 19 février 2021 membre force police nationale là, officiel l'État qui chargé pour protéger liberté tout moun et utiliser puissance Zamio pour mettre à disposition, l'État mettait à disposition yo pour prendre, pour attaquer président organisation ça qui c'est FJKL par rapport à la révolte yo dans base PNH lan contre hiérarchie que yo exprimé donc chargé par direction organisation pour défendre droit moun pour défendre idée qui n'a communiqué FJKL de mettre dehors donc président n'a parlé de maître Samuel Madistel qui répond à question plusieurs médias conviction et esprit indépendance qui caractérisait tout militant droit moun policier yo qui intolérant partisan de la pensée unique d'après notre FJKL là donc yo sans respect pour sacrifice et peuple haïtien consenti pour droit à liberté d'expression qui les ont décidé contester avec zam nan main position FJKL à travers président Lian. Nous attaquer dans l'après-midi et mercredi 19 février firme avocat président et mettez du feu là-dedans président gagne la vie sauve ou bien il est sauvé les réfugiés aux alentours cabinet hein, lorsque négaxam yo qui rivé c'est ça FJKL fait qu'on est dans notre sam mais machine client yo à qui on génératrice eh ben yo passé en flamme donc mettez du feu là-dedans dans local cabinet hein, que vandalisé FJKL jugé totalement inacceptable recours force armée en 2020 pour imposer l'idée yo et puis opposer à l'idée contraire pour quitter cette idée pas yo qui dominait FJKL rappelait que liberté d'expression c'est pierre angulaire toute société démocratique donc accueilli là donc condamné ça qui passé hein, ça qui choqué et qui inquiétait FJKL qui entend pour pas laisser intimider par force rétrograde antidémocratique et partisan narco-État. FJKL remercier tout le monde qui était manifesté solidarité dans ces circonstances difficiles ça
qui rappelait une étrangement époque Duvalier. Fondation J'éclairé renouvelé attachement à principe et valeur toute société démocratique. Ça veut dire tolérance, pluralisme idéologique avec l'esprit d'ouverture. Donc, c'est notre FJKL, Fondation J'éclairé, mettez dehors pour condamner attaque cet individu et examen en main qui fait un cabinet, c'est Samuel Madistin hier pendant mouvement protestation policière. Oui, plusieurs autres réactions guerrières sous même dossier ça, Arena Edouville, protecteur citoyen, on a bien pour nous parler tout à l'heure avec Maître Gédéon Jean, sans analyse à recherche. La question droit moun, mais en attendant, météo, nous qu'a dit météo politique là annoncé vraiment yon mauvais temps là sous pays après mouvement policier dans la capitale là, mouvement qui joigne support certains secteurs politiques qui compte pouvoir. Mais comment situation météo a annoncé bon matin, nous finalement rejoindre Madame Christelle Saint-Georges depuis Unité Hydrométéologique d'Haïti, UHM. Bonjour Madame Christelle Saint-Georges. Pour Port-au-Prince, la zone qui entoure Nio, et bien possibilité d'activité la pluie à la position gras dans Port-au-Prince ou à Soya. Pour la meilleure, c'est précaution, zone côtière côté partie jusqu'à 25 nœuds, ou de façon à peu près à 7 pieds. La meilleure, cap mauvais, nous recommandons un petit coup d'ensoublé, voie côté voilier, chaloux, voie fouillée, cap chercher la vie dans zone côtière. Pour la flacon à la zone côtière sud, c'est même précaution, la meilleure mauvaise précaution, voie côté. Dans la mer souple, nous devons éviter les voiliers chaloux poitriers et concentrer-nous par rapport à l'activité maritime nakmenéa. Soleil a déjà levé à 6h15 et la couche à 5h50 pour le lever un matin à 6h14. Température après l'école par la journée en moyenne entre 27 pour la fin jusqu'à 33 Celsius et la chute dans le métal entre 17 pour la fin jusqu'à 23 Celsius en moyenne. C'est là nous mettons un bout dans la citoyenne pour un dossier temps, la promesse de Pierre-Renel Guerrier-Grégory. Toute équipe l'a remis, auditeur, auditrice, radio, Caraïbes, notre point pour nous excuser. Nous souhaitons passer un très bon jeudi. Rendez-vous pas maintenant pour continuer à porter informations météorologiques aussi pour que la fin de autorisation, c'est pas tout demain, vendredi, Cap-Vinila. Bonne journée, messieurs. Bonne journée à vous, même tout, Madame Christelle Saint-Georges, pour actualité temps. N'a pas retourné dans l'actualité à qui dominé par dernier mouvement policier dans la capitale là, et un mouvement qui était accompagné en pile violence, révocation plusieurs policiers qui fait partie syndicat police nationale là, ils continuent à soulever l'autre réaction office protection citoyen OPC proposer tête libre pour jouer rôle mi-temps jouer l'homme pour arriver joindre une entente entre deux parties. Et dans ce sens, il y a une discussion qui est déjà entamée avec les policiers concernés d'après coordonnateur, d'après protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, qui a lancé au préalable adressé une correspondance par l'autorité dans la police pour informer de position s'il a une initiative qui, d'après protecteur citoyen, a permis l'image institution la police de préserver. Renan Edouville qui croit, question syndicat policier, a réclamé, hein, c'est un bagage qui juste. Toutefois, fait qu'on est, ça pas de fait dans des ordres. Maître Renan Edouville, protecteur citoyen, tenant micro, Réginal Rémy.
On souhaitait que les autorités de ce pays au plus haut niveau utilisent l'arme de la négociation. Donc, nous croyons que c'est dialogue, c'est concertation qui est capable de permettre de nous joindre nos dénouements heureux face à la crise que l'institution a traversée, je vous dis, par rapport à des revendications des policiers. Et c'est peut-être ça que l'OPC, en tant qu'institution de protection et de promotion des droits humains, qui gagne également un chapeau de médiation, qui est là pour faire médiation, nous-mêmes, nous proposons peut-être que si les deux parties d'accord, bien évidemment, parce qu'on va quand même faire médiation si tous les deux parties ne sont pas d'accord. Nous proposons peut-être pour que nous jouions le rôle, mis en jouet, jouer le rôle de médiateur, et bien pour capable arriver à un dénouement heureux par rapport à la question ça, parce que nous ne croyons pas que solution n'a pas éblisé, nous ne croyons pas que solution sous l'accord de Rennes, des deux côtés, et le gouvernement et le haut commandement de la police pas d'intérêt pour camper sur la corde raide. Et également, les policiers tout, n'ont pas d'intérêt, par exemple, pour utiliser la violence, parce que, en matière de syndicat, en matière de liberté syndicale, pas de violence. Donc, la violence et la liberté syndicale, c'est deux bagailles qui diamétralement opposées. Et, fort de ce constat, nous-mêmes, nous souhaitons que, par exemple, il y ait une ronde de négociation qui fait, une ronde de médiation qui fait pour être capable, ouais, comment pour être capable d'arriver peut-être à la mise en place d'une commission spéciale. Peut-être, ou bien, ouais, comment nous sommes capables de joindre des solutions par rapport à la revendication, bien aux revendications des policiers. Nous sommes déjà en contact avec les policiers. Dans le meilleur délai, nous allons adresser une correspondance formelle à la direction générale de la police pour nous dire que nous sommes prêts pour nous, ouais, dans quelle mesure que nous sommes capables de jouer le rôle de médiateur dans la crise ça, que nous pensons qu'il mérite une solution parce qu'il y va de la sécurité, il y va de la sécurité des vies et des biens, il y va même de la stabilité dans le pays. Mais est-ce que nous pas pour autant, puisqu'il y a des révocations qui déjà faites et la police et le client se positionner? Non, il n'est jamais trop tard pour engager discussion, surtout lorsqu'on est en matière d'un conflit de travail. Et ça pose qu'on a là son conflit de travail qui existait au sein d'une institution policière avec certains de ses membres. Donc, pas jamais trop tard pour que ou entamer des pourparlers, ou entamer des négociations. Donc, négociations sont difficiles par rapport à des décisions qui prennent. Mais, négociations, pas jamais trop tard pour faire des négociations. Et nous-mêmes, nous croyons que la solution idéale, pour ne pas dire l'unique solution par rapport à sa capacité de négocier là, il passait par une ronde de médiation. Depuis avant décision direction générale de la police était prend pour les écarter, limoger certains policiers par au nombre de 4 ou 5, eh bien l'OPC en tant qu'instance étatique ayant un statut indépendant est déjà en contact avec les policiers. Et nous avons eu une première rencontre avec eux au niveau du service de plainte. Nous avons eu une deuxième pour parler avec eux. Et nous toujours été en contact avec eux. Maintenant, nous allons avancer de façon très formelle vers la direction générale de la police pour nous voir dans quelle mesure que si tous les deux parties d'accord, eh bien pour que nous-mêmes nous sommes capables de jouer, on espère bien, dans une perspective de trouver une solution, jouer le rôle de médiateur dans cette crise. Est-ce que nous-mêmes au niveau de l'OPC, sans embâge, sans passer par quatre chemins, nous sommes capables de dire que la situation dans laquelle se trouvent les policiers, moi, je les côtoie, je les rencontre, en plus là, c'est des étudiants pour moi-même, étudiants moi. Donc, nous connaissons que la situation n'est pas confortable en termes de conditions de vie, conditions d'existence, traitement et en tant que policier. Ça, il faut admettre et nous ne sommes pas capables de mentir. Donc, policiers, même avec n'importe quel travailleur, dans le secteur privé, dans le secteur public, et eh bien, a fait face à s'emballer une crise socio-économique. Donc, cela veut dire qu'ils ont droit de faire des revendications, de venir avec des cahiers de doléances. Cependant, des instruments internationaux, notamment le Code du travail, ils permettent de venir avec des cahiers de doléances, mais tout ceci de manière pacifique. Cela veut dire qu'à aucun moment, nos travailleurs, quel que soit statut, quel que soit dans le secteur qui leur appartient, ils ont droit de venir avec des revendications, avec des cahiers de doléances et pour le temps d'elle. Mais la violence doit être bannie. Et c'est peut-être ça que nous disons qu'il y a deux bagailles, pas marcher ensemble, c'est deux bagailles qui contraires la liberté syndicale et la violence. La liberté syndicale, elle est garantie, elle doit être protégée au regard de la Constitution. Nous signons, nous ratifions l'instrument international, notamment la Convention numéro 87. Mais de notre côté, la violence pas marché avec liberté syndicale. Liberté syndicale, il y a un dépassement, il y a un désaccord avec les pratiques de violence. Voilà, possibilité pour yon chita parler entre base la police et responsable yo sur crise ça protecteur citoyen dit au courant situation ça
au niveau de la police là. Bon, pas qu'on est si policier ont été approché au PC de manière formelle, mais si protecteur était au courant de problème ça, et problème ça a été posé dans le niveau institution yo, donc nous pas arrivé là. Donc c'est comme si on t'a dit, et bon, cabrit fin traversé barrière, il a couru bon, mais tout le monde dit qu'on est problème policier, ouais. Et mais bon, comme nous on les tatou qui souvent attend c'est la dégénérer pour yo agir, ça ne l'état compliant, c'est pareil. Donc situation policière pas différent de un paquet l'autre institution là. Ouais, c'est tout un gain grève dans le secteur santé, dans l'éducation, c'est pas parler. Donc c'est tout secteur qui est malade, hein, mais ça demande pour le fait dans tête reposée, hein, parce que Jean Monod dit violence pas mener nous en quel côté dans tête reposée, et faut que l'État lui-même tout le patron que c'est les barres à dégénérer pour agir, faut que bon gens, faut que bon on va rien qui fait pour améliorer conditions mon saio qui a pris société à service, surtout policiers yo qui eux même a risqué vie chaque jour, hein, pour mon qui moi même avoir qui paye taxes et qui paye yo même, mais yo même yo mettez vie yo en danger pour nous, hein. Donc yo mérité bon traitement, et dans le journal là c'est chaque jour n'a plein pour yo, hein, par rapport à ticat là qu'on a souffri pour les de l'autre problème encore. Et l'autre problème tout c'est que policiers yo des fois l'homme gros monde qui vient là qui vient dit mettre dénoncer policier pour ça le faire, mais policier pas gain droit lui-même pour le réagir, ouais. Donc quand même faut qu'on bagaille qui fait, faut qu'on cellule qui les policiers en ligne doit léser qui a parlé pour lui, hein, pour permettre que yo pas yo même là seulement pour yo juger yo, mais tout pas gain droit pour agir. Ouais, nous apprendre policiers yo té adressé yo formellement à OPC sous problème y a enduré problème qui gain pour avec conditions travail yo. L'autre structure qui proposait là on chita à parler c'est centre analyse et recherche dans question droit monde, mettre Gédéon Jean à diriger lui proposer pour mettre campé en commission mixte qui vient là-dedans le représentant SPNH là, gouvernement avec la police nationale, ça qui d'après lui a permettre gagner une solution côté tout le monde a sorti gagnant, mettre Gédéon Jean qui promet pour toujours supporter l'institution. Police toutefois fait qu'on est condamné tout acte crasé brisé au maître Gédéon Jean dans micro régional. Dans première manifestation qui était faite à moi-même personnellement était là et nous baillons des conseils, il y a des situations présentes, nous voyons des avocats accompagnés. Donc nous-mêmes nous avons au début soutenu la cause des policiers et jusqu'à présent nous avons soutenu la cause policière. Cependant nous établissons distinguo en cause policière et des hommes, nous parlons des hommes puisque nous-mêmes comme institution de défense des droits de l'homme faut que travail nous en y participer dans la construction état du droit. Donc nous parlons des hommes, nous parlons sur la règle que nous attendons que policiers ont été formés quand même démarqués au dessin. Malheureusement nous pas fait ça, ça vient pas inspection générale là encore, etc. Ça passe sur ça, même va dans ça. Et pas quoi que mon monde qui dalle, tout monde quoi dans ça. Convention et pas qu'elle dit clairement, l'État peut, on va dire l'État droit non, l'État peut porter des restrictions concernant la police et l'armée. On peut dans tout pays qui gagne l'armée et la police, il y a des restrictions. Il y a là, en fonction des situations, il y a une bataille qui fait, il vient gagner un mécanisme de revendication. Exemple au Canada, ou gagner fraternité. En France, en Suisse, ou gagner syndicat, il y a pays qui gagne association. C'est pas côté légal là qui pose des problèmes. Parce que la loi découle de la nature même et de l'ordre des choses. Est-ce que d'après vous-même, révocation, mon zayo illégale? La révocation, ça, c'est notre bagage. Premièrement, il faut regarder les rapports. Ça, c'est la première chose. Parce que nous entendons que, dans confiance, c'est SPN, dit qu'il n'y a pas révoqué policier pour démarquer le syndicat, mais c'est pour bonne autre cause, il y a des sessions, ça passe instruction, etc. Là, qu'on y a là, il faut regarder les règlements pour les syndicats qui ça le dit. Donc, il faut regarder les rapports à devant pour regarder exactement pour qui ça, qui a révoqué policier. Et OPC qui propose peut-être les habits en train de faire la démission. Comment nous allons démarcher? OPC, c'est une institution nationale de l'ordre. C'est à bon droit que vous proposez peut-être. Il y a l'inspection générale qui démission. Ça va dire l'inspection générale qui démission. Parce que l'on veut sanctionner, il faut l'auditer. Parce que ça n'a pas fait. Parce que nous toujours l'inspection générale, la perception, en réalité, en plus, c'est sanction. Il n'y a pas d'enquête qui fait périodiquement. Peut-être l'inspection générale, pas de moyens. Donc, c'est une proposition. Moi-même, j'ai proposé que pour y ait une commission et que qui t'a formé des représentants policiers qui ont revendiqué, pas bien, c'est bien. Et puis, qui y a un représentant au état-major à la donne, qui y a un représentant exécutif,
n'a pas bien, n'a pas les revendications policières, il n'a pas dépendu de l'état-major. Son question de politique publique. Augmenter le budget, pas dépendre de la police. Avantage social, ça dépend de politique gouvernementale là. Donc, il faut bien représenter un policier qui a revendiqué, représentant l'état-major, représentant l'exécutif là, avec quelqu'un de l'extérieur de la société civile. On va parler de on ou bien organisation, on va parler de personnalité ou bien de qui est capable de fonctionner de commission pour initier ce mécanisme de dialogue. Est-ce que qu'on y a là, par exemple, ces policiers vont accepter OPC, marronné? Même parce que démarche OPC 1, l'institutionnel est bon. Mais tout, ou capable tout, bon, mécanisme aller au-delà de OPC ou bien OPC, t'as capable en dedans en commission. Donc, il y a deux possibilités. Soit OPC fait la médiation. Mais pour pas faire médiation, faut que entité ou d'accord. C'est ça le principe de médiation. Quand on parle de médiation en droit international, faut que deux belligérants, deux entre guillemets extrêmes ou d'accord. Donc, si y'a d'accord OPC, et l'OPC qu'a fait. Il faut trouver une formule pour initier les discussions. C'est-à-dire, entre les deux extrêmes. Et pour trouver une solution win-win. Une solution élégante. Parce que dans ce qui a passé là, la police qui a perdu, la population qui a perdu, et nous-mêmes, nous pensons qu'il faut nous protéger les institutions policières. Maître Gédéon Jean, dans nos centres d'analyse et de recherche, une question droit monde qui proposait là, une commission mixte Capgain et la DAL, représentant comité qui a réclamé syndicat de la police nationale là, gouvernement avec police nationale là, lui-même, centre analyse et de recherche là, qui appuyait proposition Office Protection Citoyen OPC qui proposait tête pour jouer. Rôle mitan jouet lan pour arriver résoudre crise qui gagne nan police nationale la qui réaction au état major police nationale la sous sac passé hein? Est-ce que recommandation inspection générale la pour révoquer 5 policiers sa yo parmi yo coordonnatrice comité qui a préclamé syndicat dans la police là madame Joseph Yannick Joseph est-ce que c'est déjà une décision arrêtée porte-parole police nationale là avec nous Gary Desrosiers inspecteur Gary Desrosiers bonjour bonjour tout auditeur auditrice Radio Caraïbe bonjour Pierre Renel bonjour Gary. Ouais, hier encore, policiers dans le cadre de revendication yo marché dans la rue Port-au-Prince donc gagné en pile incident qui est enregistré dans le cadre de mouvement ça. Comment au état major la police là lui-même la suivre évolution situation ça. Et tout d'abord, son situation qui s'est développée sous forme de panique au niveau également au niveau des Bourdons, au niveau de Campoville. Et côté que gagnant et de biens qui est attaqué, je vous dis aussi qui est attaqué. Et côté que le direction générale, je ne sais pas tout, ben, nous dirigeons mieux. Et au niveau du direction générale, la police, là, il y a une disposition, et côté que je vais créer une commission d'évaluation des besoins de policiers. Et nous allons créer un système qui n'est pas trop long. Côté que, en tant que commission par après la dernière, représentant de la fiscalité, et la fin de la dernière, tout le policier de tout le monde, agent, inspecteur et commissaire, côté que, commission par tout le travail, sur plus ou moins, à court terme, à moyen terme, également en terme. Et il y a une revendication policière, justement, c'est arrivé, mettez sous pied syndicat ça, et non, commission, et nous allons mettre sous pied pour nous évaluer la situation. Pas ouais que au avancer point ça comme il y a un point, nous t'as supposé travailler sur lui. Il y a une commission, je ne sais pas qui va créer, pas bien. C'est tout travail, commission, ça vient. Et certains que quelques évolutions, politique à pourquoi. Et dernière manifestation au marché policier yo fait hier, c'est suite à une nouvelle qui fait qu'on est yo révoqué 5 nan yo et qu'on est bon recommandation justement inspection générale police a été fait dans ce sens ça comment ça fait et habituellement le et inspection générale a fait une recommandation est-ce que c'est automatiquement révocation en fait dans cas 5 policiers ça yo qui situation yo, est-ce que yo révoqué déjà ou bien yo en passe pour révoquer. Commandant chef là, c'est la déclaration de parler au micro de la presse, mon bagage de la police, et bien la tout, n'a pas concernant les policiers que j'ai fait. Et également, je viens à peine à cela, tracé l'ensemble des procédures. Les démonstrations administratives qui prennent, côté que les policiers ont bien droit de faire recours à l'inspection générale.
Donc il va le retourner encore devant monde qui peut l'évoquer là. Son procédure qui est passé, parce que y a plusieurs policiers déjà qui étaient en train de faire déjà plus contre eux et qui est arrivé et réintégré la situation. De qui ça y a reproché les policiers évoqués? Moi, ça qui est même ensemble de nature de révocation, parce que je me dis là, et on va faire ça, et pas de ça. Et donc, conférence, l'avenir pour nous repartir ça. D'accord. Mais merci, on peut le porte-parole. Ok, parfait. Allô, juste avant. Oui, oui. Juste avant de partir, et n'a pas du tout, si on est là, tout. Et l'ancien après le calme, et m'a dit tout à. Prendre discipline quoi et parce que une responsabilité en responsabilité énorme côté que et tout policier qu'on est et tout policier tout si on passion tout boulot tout c'est au service de la population hein. Parce que la population j'aime bien dire c'est la police hein, et la police c'est la population. D'accord, merci un peu votre parole Gary Desrosiers inspecteur. Porte-parole adjoint PNH non, qui est en direct avec nous pour annoncer une création d'une commission d'évaluation besoin et policier qui après le fait là dans un petit temps qui est pas trop long. Nous parlons dans deuxième ville pays à Cap-Haïtien côté présence Michel Martelly accompagné à qui ont trentaine de policiers qui a pas suivi. Sécurité a créé gros polémique dans ville ça les Christophiens en marche contesté participation groupe suite Mickey en un parcours au carnaval au Cap Haïtien qui a fait sorti 23 pour arriver 25 février qui a venu là et un carnaval qui marquait 350e anniversaire deuxième ville pays à commémoration 200e l'année la mort Henri Christophe responsable groupe ça dans société civile ville au Cap Haïtien il fait qu'on est mauvais propos avec un mauvais image ancien président Michel Martelly a projeté dans Merengue avec sous parcours en pas cadré avec valeur Capoyo responsable les Christophiens en marche Will Ney Tarnis l'Itenamico Gerlin Morista. Nous-mêmes citoyens qui responsables dans le Cap, nous estimons que c'est jouer avec mémoire Christophe, les n'a accepté dans l'occasion 350 ans de le Cap pour suite Mickey a bien performé dans le carnaval au Cap. L'en connaît qui ça Christophe t'a défendu lui-même à l'époque qui t'a gouverné le Grand Nord, qui t'a priorisé l'éducation, qui t'a cherché tout le monde côté de cacher en bas à l'école lui-même pour te forcer à l'école. Donc, valeur que Christophe t'a défendu, il y a vraiment à l'antipode de ça suite Mickey lui-même, lui projeté comme image à travers différents mérites qu'on fait ou à travers différentes positions publiques que l'on comprend, parce que suite Mickey, c'est un monde qui vient de comportement sexiste, qui pas respecte les femmes, qui vient de propos grivois et qui pas bon pour les oreilles, qui moune nous-mêmes nous gagnons dans le Nord, qui pas un modèle pour la jeunesse nous gagnons qui dans le département Nord. Hein? Et c'est dans son sacrifice en marche, qui même il était en garde, toute autorité départementale, toute autorité locale qui n'a pas contre performance suite Mickey dans le carnaval là, qui pour nous c'est souiller mémoire en réflexion. Christophe, c'est souillé mémoire en tenant qu'il y en a, qui c'est un monde qui quittait de valeur, qui quittait de œuvre, qui fait symbole, qui fait fierté monocap et que monocap s'en fait pour ça un peu. Carnaval là, c'est en fait populaire, c'est une activité culturelle, pour ce que nous avons mis en valeur, quand ça nous vient dans la culture, non? Mais je dis à nous-mêmes au Cap, nous prêts justement pour nous bailler face à ça, nous pas prêts justement pour nous bailler espace ça, pour nous mettre en valeur des propos grivois. Pour nous mettre en valeur du propos sexiste qui va à l'encontre même de ça, me se dit déjà que Christophe, que Antenor Fiamme, et à son pile tête, nous sommes dans la ville au Cap, déjà autodéfend. Donc, je dis à la prétendue autorité, que je dis, pardon, à suite midi, malheureusement, il y a bien même participé, puisque Ben Nia, son Ben, qui est habitué à participer dans le carnaval, mais par rapport à ça, nous-mêmes, nous gagnons comme fierté dans le Nord, par rapport à ça, nous-mêmes, nous défendons
comme valeur et ça en cette nous quitter vous nous dans le nord. Donc mon cher, nous regrettons ça. Peut-être qu'on l'autre par rapport à une image peut-être qui va gagner pour le voyer, peut-être qu'il a montré que il n'y a pas bien de propos assez discriminants par rapport à femme encore. Il n'y a pas bien de propos grivois qui va bon pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas empêcher tout le monde de jeter devant la télévision. On ne peut pas empêcher tout le monde d'aller sous parfois pour que c'est. Donc nous-mêmes, nous besoin épanouir. Petite nouyo, jeune nouyo de situation, ça, de événement, ça, que probablement, qui t'a supposé nous bailler, mais nous pensons, autorité, il y a tant de raisons, il y a tant de sur ça. Journal, première occasion, journal Grand Boulevard, sur Caraïbes FM, il fait 6h à 40 minutes, nous, finalement, gagne une nouvelle communauté haïtienne en Chine, à un moment côté, coronavirus, ça continue à faire victime dans le pays, ça, en communauté qui gagnait la dalle, environ yon cinquantaine d'étudiants, 9 étudiants en maîtrise, 3 dans doctorat, 33 licences, dans licence qui surtout a étudié dans l'université qui Shanghai avec Pékin qui accueille majorité boursier haïtien. Nous gagnons avec nous en ligne Marcel Sadrak, président association étudiants en Chine, yo, pour nous parler de situation communauté ça en Chine, un moment côté gain en pile inquiétude à cause développement épidémie coronavirus là. Marcel, bonjour, nous content gagnons avec nous en direct matin sous boulevard. Bonjour monsieur Pierre Renel, m'a salué tout le staff radio Caraïbes, m'a salué donc pays a été gagné Jules sous nous, même le pas gagné de décision officielle qui t'est prend pour te connaître et est-ce que t'es gagné nécessité pour te permettre que nous retournions dans le pays à porter accompagnement et ben nous côté nous y a un paquet l'autre pays t'est fait li pour ressortissant en yo et qui j'en nous y est qui nouvelle nous comment nous t'es vive ou comment on a vive hein situation qui a développé actuellement en Chine avec épidémie coronavirus là qui continue à valer terrain. Donc, suite à la requête que l'ambassadeur Guy Lamotte t'a fait au chancelier haïtien, M. Bokchite Blanc, donc tous les étudiants haïtiens boursiers t'ont fini par joindre une allocation de $300 américains. Donc, c'est ça qui est à voir avec le rapatriement justement des ressortissants haïtiens. Donc, dès le début vraiment du corona, donc nous t'ai jugé qu'il était un peu risqué pour nous prendre le chemin du retour parce que vu à risque, ça allait même les présenter. D'accord? Donc, nous pas de poter yon épidémie pareille justement en Haïti. Nous déjà connaissons que le pays par nous pas de coup prêt justement pour faire face à une situation comme ça. Donc, Dieu merci, plus de peur que de mal, nous en forme. Nous avons été confirmés justement au niveau des établissements. Donc, nous pas sorti, nous continuons avec Kouyo en ligne. Donc, nous espérons et nous avons été positifs face à une solution. Et novatrice que peut-être le gouvernement chinois a fini par joindre pour capable d'éradiquer l'évolution d'une telle maladie. Donc, vous voulez dire nous là, l'université a porte fermée et en raison de situation ça, donc nous étions là Kaino et nous suivons Kouyo en ligne. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ces mesures que vous prenez pour limiter le déplacement, ils ont été exposés justement aux étudiants internationaux face à virus. Donc, mais il y a une attention soutenue qui peut être par chaque étudiant, qui est suivant qui peut être curieux, suivant les étudiants les Wuhan, les Pékin, les Shanghai. Donc, mesures ont été assez strictes, assez draconiennes, donc pour faciliter justement et sécurité. Et puis, prise de température corporelle, donc, ils fait chaque matin dans toute
établissement yo, yon façon pour que l'autorité yo capable bon idée de évolution et niveau de santé chaque étudiant si yon étudiant a mérité yon prise en charge rapide et autorité sanitaire a bien procédé avec ça pour éviter que étudiant ça arrive dans stade critique. Donc nous voyons que c'est environ en cinquantaine boursiers l'état haïtien, mais nous voulons quoi que communauté haïtienne en Chine beaucoup plus que ça, puisque dernier jour ça a une porte qui l'ouvre une question commerce en Chine côté gain pile monde qui a acheté dans pays ça, mais concernant étudiants justement nous avons majorité étudiants yo plus Pékin avec Shanghai, et ça veut dire c'est zone ça li même par rapport à foyer et épidémie hein. Donc nous très loin. Nous très loin, pratiquement si on a un piqué pour aller à Wuhan, peut-être que ça va prendre 2 heures et demie jusqu'à 3 heures et en avion. D'ailleurs, on connaît que la Chine sont un grand pays, donc nous assez distants. Et moi-même, moi de Tianjin particulièrement, moi à 30 minutes de Pékin en train rapide. Donc si je peux aller à Shanghai, là, pour presque 3 heures, si je peux aller à Wuhan, c'est presque idem. Donc nous gagnons pour le moment 4 étudiants haïtiens qui ont évolué dans les parages même de Wuhan. Donc étudiants ça en sécurité jusqu'à présent, donc ils continuent à suivre en signe autorité. Ils ont même tout pas sorti, ils ont commencé avec activité l'école. Donc plus de peur que de mal, nous étions positifs, nous continuons à avoir un support moral. Moi-même, comme président de l'association des étudiants haïtiens, moi qui ai un contact étroit avec eux, aussi bien l'ambassadeur Guy Lamotte, il a toujours parlé avec les étudiants pour connaître comment si vous avez besoin, par exemple, de prise en charge, de aide financière. Donc il est toujours là et pour assister. Donc, comme président association étudiant et boursier haïtien, vous avez information sur présence haïtienne. L'autre bord, nous dit tout à l'heure, vous avez plus haïtiens qui découvrent la Chine, je dis, à travers commerce et communauté haïtienne. Et c'est qui vient l'organiser, la communauté ça, li bien implantée, dans qui zone yo yé. Est-ce que vous avez vraiment en pile haïtien, communauté a augmenté, vous êtes capable de dire dans dernier temps ça avec présence de monde qui allait faire commerce et probablement de l'autre professionnel qui a privé l'autre bois. Alors tout à fait. Donc c'est une communauté qui évalue à une quarantaine d'étudiants boursiers. Il y a une dizaine d'étudiants non boursiers, ceux qui font 50. Et puis donc il y a des haïtiens qui travaillent pas bon ici. Et que ce soit des Haitian American, des Haïtiens qui des nationalités canadiennes qui travaillent pas bon ici, qui vivent dans la communauté, et gagnent tous des entrepreneurs, des étudiants haïtiens qui finissent avec étudiants, mais qui ont propre entreprise, justement, et pas bon ici. Donc, pour le moment, on est capable d'évaluer la communauté à jusqu'à une 70 personnes, mais jusqu'à présent, il y a des Haïtiens qui évoluent pas bon ici, qui pour qu'on connaît existence association des étudiants haïtiens. Existence de une communauté haïtienne favorisée parce que l'espace là, il est assez grand. Mais nous-mêmes, au niveau association des étudiants haïtiens en Chine, nous toujours fait des activités culturelles pour nous capables de rassembler beaucoup plus d'haïtiens possible, pour nous capables de rester connectés entre nous, faire promotion de la culture haïtienne et à tous les niveaux. Donc, pour le moment, c'est une communauté qui est assez stable. Et comme je l'avais dit tantôt, il y a des gens qui sont spécialisés dans le commerce. Et par exemple, nous avons James Lissin, nous avons Marcus, nous avons Wilma. C'est des gens qui ont des entreprises qui aident en pile dans le monde en Haïti qui fait commerce. Ils arrivent justement à importer ensemble de produits de la Chine. Donc c'est à ce niveau. Donc et nous-mêmes au niveau association des étudiants haïtiens, nous avons comme rôle pour nous accompagner tous les ressortissants justement d'Haïti en Chine, que ce soit pour qui gagne pour venir faire étudier ici, nous accompagner, nous avons assistance spéciale parce que nous connaissons ici de son milieu culturel qui est assez différent. En plus, nous n'avons pas maîtrisé la langue mandarin, donc nous avons assistance soutenue, aider jusqu'à ce qu'ils arrivent à adapter complètement justement dans ce nouveau milieu. Et puis chaque année, au niveau association des étudiants haïtiens, nous organisons un gala annuel, donc pour nous capables non seulement de permettre que majorité haïtienne est capable de retrouver entre eux, donc pour eux capable de passer de bons moments, mais c'est aussi l'occasion pour inviter l'autre étranger à découvrir justement culture, la gastronomie, la musique haïtienne, et enfin notre langue qui est justement le créole. Donc récemment nous avons organisé une activité à Pékin, et d'accord avec le bureau commercial d'Haïti en Chine sous l'égide de l'ambassadeur Guy Lamotte, côté nous tous réunis pour nous célébrer justement la fête de l'indépendance, et c'était l'occasion pour manger de la soupe ensemble et puis partager avec d'autres étrangers qui étaient venus et participer à l'activité.
Et dans quel domaine n'a pas étudié? Nous avons gagné 9 étudiants qui en maîtrise, 3 dans le doctorat et 33 comme ça dans la licence et dans qui différents domaines nous là. Alors, domaine assez varié. Donc, il y a des étudiants qui justement en médecine, il y a des étudiants par exemple qui dans le domaine économie, dans le domaine de l'administration. Donc, il y a des autres étudiants justement qui ont fait doctorat. Par exemple, dans la ville de Rouen, nous avons un étudiant qui dans le domaine hydraulique, qui a fait un doctorat justement dans le domaine hydraulique. C'est censé le domaine ça qui est censé beaucoup plus prisé par les étudiants haïtiens ici. Et qui le rentré, qui le alors pour nous-mêmes qui en licence et formation ça a fini qui le et qui le à peu près comme ça nous capable de retourner dans le pays. C'est sûr que nous avons retourné. Donc tout à fait. Il faut dire que l'entrée en Chine comme boursier, donc vous avez pour passer un an pour apprendre la langue chinoise. D'accord? Comme si le monde qui est dans le premier cycle, souvent, tant d'études limitées justement à 4 ans. Pour ça qui est ouais, avec médecine, tant d'études c'est 5 ans. D'accord? Sans mon étudier administration, donc probablement pour passer justement 5 ans ici. Sur le domaine médical, donc probablement on va faire justement 6 ans ici. Donc, je crois pour la maîtrise, en général, c'est 2 à 3 ans. Et pour le doctorat, peut-être, il y a entre 3 à 4 ans. Donc tout étudiant, pas bon ici, il y a gagné le désir, il y a manifesté une volonté de retourner justement à la CAI pour augmenter la masse critique du pays et contribuer justement au développement d'Haïti. Mais nous connaissons qu'il y a une situation générale pays. Donc, nous, je souhaitais que l'État haïtien lui fasse faire une préparation pour être capable d'accompagner justement ses gradués et aider. Mettez en application pour compétition et que vous êtes acquis justement en terre étrangère pour être capable de contribuer justement au développement du pays. Merci beaucoup. On a rappelé où c'est étudiant Sadrak Marcelin, ou a dirigé l'association étudiants boursiers haïtiens en Chine. Nous sommes contents de parler avec vous, Sadrak, dans un moment côté gagné épidémie coronavirus qui a fait ravage particulièrement en Chine. Guerrier, nous pas de connaître, nous avons une communauté haïtienne qui. Oui. Alors, je vais dernier mot que je voulais ajouter. Donc, moi, je voulais dire que sans plaisir de participer dans l'émission. Mais toutefois, si il y a des gens qui t'a appelé justement à rentrer en Chine, donc venir étudier comment on est capable de bénéficier d'un bourse d'études, bien fait commerce, ils sont capables d'aller Kounia sur Facebook, non? Ils ont tapé Association des étudiants haïtiens en Chine. Association des étudiants haïtiens en Chine. Ils sont capables d'entrer directement en contact avec nous. Ou bien, ils sont capables d'aller sur le website association, qui c'est www.aichinchina.com. Il est capable d'être directement en contact avec nous, nous capable d'assister dans tout ça qui vient avec études et puis commerce justement avec la chaîne. C'était un plaisir, moi salut toute sa radio et moi salut toute communauté haïtienne en Haïti ou à l'étranger. Voilà pour intervention étudiant ça, on a rappelé oui qui c'est président association boursier l'état haïtien qui en Chine. Oui, nous t'ai en communauté haïtienne et qui présent l'autre bois et pendant tout développement épidémie et coronavirus là, à aucun moment il n'y a pas de faire mention de communauté ça. Eh bien, nous parler avec président association, donc il dit plus de peur que de mal, étudiant yo en sécurité et il parler nous tous de en présence haïtienne effectivement qui a grandi et l'autre bois monde qui surtout après le fait commerce mais déjà hein, et dans le pays a gagné un intérêt pour parler langue chinoise qui c'est mandarin par exemple dans l'université Kiskeya et actuellement il y a un cours comme ça qui dispensé donc langue ça yo prévoit dans tant qu'à venir qui peut aller important hein pour monde qu'on parler nous pas même parler c'est pas langue ça les chinois non c'est mandarin comme je dis désolé là pas de bonjour on va parler mandarin son bail vraiment curieux on veut leur regarder tant des chinois qui parler pas comique mais comme ça chang 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 chang. Vous parlez? Je vais me comprendre.
OK. Bon, nous pour aller parler retourner par fond parler sur sur question policier mais avant ça, on va prendre circulation les rétablir sur route Carrefour puisque policier circulation était déjà déployé directeur Carmel Florent est sous place pour permettre circulation rétablie dans zone rail hein côté qui était bloqué mais selon information nous arrivé joindre le Lambi toujours bloqué puisque gagné un trailer qui bloqué dans la rue qui gagne caoutchouc lieu plate depuis matin donc jusqu'à présent yo poko déplacé mais service circulation a pas arrivé sous place pour garder comment yo capable rétablir au plus vite circulation dans zone ça nous pral parler avec Pierre Antoine lui qui c'est avocat qui lui-même t'a souhaité opinion sur parole ou bien sur débat qui a fait là par rapport à question syndicat ou pas au niveau institution la police là monsieur Pierre Antoine bonjour. Bonjour monsieur Gaillet du Sol et bonjour tout auditeur et direction avec Caraïbes avec collègue. Oui. Donc au même ou bon gens ou est dossier ça qu'on te fait partager avec auditeur. Oui, certainement. Merci beaucoup monsieur Dussel. Hier moi j'ai publié un texte hier matin, peut-être prémonitoire malheureusement, mais ouais, ça fait là a témoigné de niveau côté pays a pas gouverné. Qu'on y a là nous dans une situation même la police en rébellion contre l'État, faut que bagaille ça résoudre rapidement. Alors moi tandis et mettre ma distance et moi tu mets toute solidarité avec mon frère là. Par rapport à ça, le tubia, parce que ça va doriser nos sociétés civilisées. Cependant, effectivement, les policiers ont évolué dans des situations inacceptables. Il est vrai que le pays a des problèmes budgétaires. Cependant, ça n'a pas expliqué que presque 25 ans après la force police qui nous mettait sous place, que les situations de dysfonctionnement existaient toujours. Donc, moi, toujours au monde. Qui pour la police, moi je pense que c'est celle institution dans le pays qui jusqu'à présent, jusqu'à l'Obéka peut-être récemment, c'était campé qui fait société à camper. Raison de plus, que moi félicite l'OPC pour l'initiative ça et policiers qui mandent pour intervenir. Alors ben ça me passe. Moi je crois que le droit de s'associer librement, qui contenu dans la constitution haïtienne, non, pas policier au droit pour associer. Il y a carré les lois d'association. Le carré les syndicats, le carré les gens obligés, mon bar de dictéo qui vient pour nous relever. Cependant, et c'est là, n'a pas de péché, n'a élite pays, là. Nous, bah, j'aime prendre une décision pour nous prendre, ou l'air pour nous prendre, tout le bagage fait en l'obéi. Effectivement, si nous des policiers, moi, t'as révolté par avoir deux mains qui viennent à moi pour me résoudre tout problème qui vient dans le pays, à la police. Des travailleurs sociaux de dernier recours. Ça pas qu'à possible. Parce qu'il y a des politiques publiques qui ne peuvent pas prendre un pays. Je parle de M. Dussel. En 2018, j'aime bien janvier 2018, le président fait un discours à l'entrée de l'année législative. C'est moi qui ai écrit. Dans le discours, le président promet. Monsieur président, parlez. Il a été promis. Monsieur président. Jovenel Moïse. Okay. 2018, président Jovenel Moïse. Okay. C'est ça. Président, en toute bonne foi, moi, je te propose ça dans le discours, Bidili. Il promet que l'hôpital que je te promets là, il m'a dit pour le ministre, pour le ministre, il a pris toute disposition pour le ministre, la faute qui sont médecins, faire l'hôpital là pour une réalité. Deuxièmement, il promet que tout le monde qui t'est promu, par exemple, le inspecteur, la touche à agent 4 toujours, il y a des dispositions immédiates qui parlent pour le problème ça résoudre. Au moins, par exemple, si mon était agent 2, vivine agent 4, ça touche agent 2 toujours, au moins l'agent 3, et puis et progressivement, pour nous rattraper. Mon cher frère, nous dans le cabinet, nous avons mis pression sur le primature, nous n'avons pas la direction générale et la police, qui réellement, ce n'est pas lui-même qui est responsable. Ça, n'a pas parlé avec finance pour moi, si bon suivi qu'a fait nous sa président pour mettre. Ok, bon, nous avons fait des réunions. Mais comme d'habitude en Haïti, on pas qu'être pas les faits, mais problème n'est pas jamais résolu, problème de fond est demeuré. Donc, effectivement, les policiers ont bien raison. Il n'est pas possible de demander pour protéger vie et bien, pour protéger et servir pour eux-mêmes, pour ne pas respecter. Ce n'est pas normal. Cependant, M. Dussel, je le dis sans embâche. Moi, apprécier, moi, comprendre courage,
agent 2, Anil Joseph. Cependant, société a pas qu'à tolérer ça que fait l'instruction générale là, ça que fait lundi, ça que fait hier. Ce sont des actes de rébellion qui montraient qui baille raison à des mondes dans le Duvalier qui gardaient ouais que l'obé ça a fait et puis remonter propre force par eux. Relé le Makout, relé le Chimère, relé le Gang, relé le Sauve. Mais là encore, il faut que des sanctions qui prennent. Ni normal que les gens des excès comme ça, quel que soit le droit qu'on a pour vendiquer, l'on manifeste l'instant ça, ok, ils n'ont pas qu'à permettre que la police arrive là. Donc, faut que M. Damien accepte que sanction ça a juste, pour sanction ça a arrêté. Cependant, dans l'immédiat, on a conseillé le président de CSPN avec le ministre là, et le président de la République, selon la substance d'Anté, pour établir l'ordre que nous passons au ministère de la Justice d'instruction pour rencontrer le directeur général de la police là, qui après va entamer une discussion avec les coordonnateurs du syndicat de police pour nous capables d'avancer. Et puis, à bon loi qui a passé, qui a mis des balises, nous sommes que les policiers ne sont pas capables de faire grève parce que ce sont questions d'intérêt public, de sécurité publique et de sécurité nationale. Je finis pour me dire, M. Dussel, que ni le temps pour tout bagarre dans le pays à suspendre fête dans l'obéi. En premier lieu, pour nous blâmer, tout le gouvernement qui passait, et puis police à mettre sous place jusqu'à ce jour. C'est mon ça qui a une première responsabilité, ensemble avec nous-mêmes, les avocats et avocats mieux, tout le monde qui est dans l'élite pays, qui permet une situation dégradée jusqu'à ce que nous arrivions dans une situation aujourd'hui à côté de même la police à révolter contre l'État. Ça, c'est nous-mêmes élite qui fait. Effectivement, si nous des policiers, si nous avons des policiers, nous sommes des policiers, moi t'as dans l'arrière tout, moi t'as demandé. Pour le bas, M. Damien Doua, pour yon gagner une association d'entraide pour permettre de soulever des questions qui pertinent pour yon. Mais ça fait l'inspection générale, ça fait lundi, ça fait mercredi, en tant que républicain, pour me dire que c'est rébellion, que le monde qui est dans le leadership bagaille ça, policier par exemple, Wed et Bostad là hier, pour jeunes garçons bien importants, nous avons fier de lui dans l'autre circonstance parce que nous supportons la police en pile. Après ça, les amis, le tirent en l'air. L'obéi pour la police à tirer les non-pays, c'est pas normal, il y a l'impression qu'il y a des jeunes. Donc, de part et d'autre, il y a des problèmes, des ex-experts. Le premier problème, là, c'est le refus de gouverner le pays. C'est l'élite qui mettait le pays en état, il y a. C'est le gouvernement actuel, là, c'est le gouvernement avant, qui passe une disposition, qui fait, les policiers ont vivre la vie, qui a évolué dans des situations inacceptables. C'est ça qui est le problème, là. Mais il faut que ces dames acceptent que les gens qui mettaient, ils ne sont pas capables. L'œil ouvre, le soutien à la rue, intimide le monde, société n'a pas qu'à faire ça en Amérique. D'accord. Eh bien, merci en pile, Pierre-Louis Antoine, maître avocat, donc, qui était parlé avec nous en direct sous question ça. Rapidement, Pierre-Louis, nous avons l'autre avocat qui était venu faire une intervention. Oui, donc, l'autre réaction, c'est coordonnateur général SEC, réflexion sur la justice, c'est maître Clax. Jovens Cadette qui lui-même voulait réagir et lui-même lui parlait de on approche juridique sur intervention policière a fait là pour réclamer syndicat dans la police nationale là donc mouvement qui en fait il a déjà fait plusieurs mouvements dans ce sens là n'a pas parlé avec maître Cadette n'a dit bonjour. Bonjour Pierre R, bonjour Guerrier du Sol, et m'a salué tout auditeur et auditrice Radio Caraïbio. C'est toujours un plaisir lié pour moi, chaque l'homme j'ai une possibilité, non seulement pour me placer mot du droit, mais ensuite tout pour me communiquer sans intermédiaire, dire aucune avec auditoire Radio Caraïbe là. En pile discussion avec débat fait dans la rue là, et en pile protestation faite tout sous question création, un syndicat au sein de la police nationale d'Haïti. Mais nous autres, comme moun qui accroché, moun qui voulait que c'est la loi constitution qui boussole nous, nous toujours dit très clairement, lorsque la constitution, comme étant la loi mère, prévoit, ou bien li baille un droit, pas gagne rien qui ka retire. Cependant, gagne certaines préoccupations, par exemple, nous préalé dans loi 27 et 23 juillet 1987, là, sur réunion publique, yo, li dit, c'est une obligation, c'est une possibilité chaque grain citoyen gagne
pour manifester, pour dire ça que fait ou bien, ça que fait ou pas bien. Et droit de manifester tout son droit constitutionnel reconnu par la Constitution haïtienne. Maintenant, article 2 et 4 et loi, ça les fixer conditions et puis procédures d'avertissement. Ça veut dire ces citoyens policiers peuvent organiser des manifestations au vœu de la loi du 23 juillet 1987. Mais nous pourrons aller pour aller plus loin dans la question droit de grève. La Constitution les dit très clairement, avant pour nous arriver dans la question syndicat, dans l'article 35.5, il dit le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Cela sous-entendrait, même si un policier t'a revendiqué droit, et c'est un droit constitutionnel que le gagne, gain des limites fixées par la loi. Mais cependant, pour ce qu'il y a trait avec le droit de syndiquer, c'est un droit constitutionnel. Maintenant, gain code de déontologie et la police là. Gain la loi de 1994 qui est considérée comme loi organique police nationale là, qui fixait des conditions. Mais lorsque la Constitution prévoit une prérogative, une loi ne peut pas ni enlever ni pour le temps modifier prérogative ça. Si nous entrions, si nous étions dans la limite et liberté constitutionnelle ça, il y a à chaque citoyen, à chaque soit employé public, employé privé, pour organiser des syndicats, nous reconnaître que la police nationale son droit constitutionnel que nous gagnons. Mais nous autres, tout comme nous-mêmes, nous toujours fait appel à la justice sociale, à l'égalité des chances, nous reconnaître tout. Par exemple, il y a des pays qui ont plusieurs forces armées. Ou pas qu'à une institution de la police, des agents de la police nationale, il y a un système qui ne permet pas que les policiers aient reproduit tête dans l'institution. Parce que politique rentrée trop, n'est pas faite de manière administrative et de manière juridique pour la question fonctionne, la question grette capable et puis faite de manière à ce que les policiers qui sentent confortable dans l'institution, malgré la loi mettait toute balise et toute prérogative qui vous permettent que cette institution fonctionne comme ça doit. Mais dans la logique, nous toujours dit dans l'article 35.3 Constitution, il dit tout travailleur des secteurs privés et publics peut adhérer au syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusive de ses intérêts de travail. Et si nous allons dans la convention qui est relative à la liberté syndicale là, tout sous protection droit du travail là, qui est entrée en vigueur en Haïti par la loi du 4 juillet 1950 là, il y a une possibilité de tout. Il dit question ça, c'est des questions qui garantissent. Et ils ont appliqué même à force armée et à la police qui a déterminé par une loi. Maintenant, la loi qui crée la police nationale, là, n'en déplaise à des amis juristes qui toujours baillent des avis contraires, il n'est pas interdit droit pour un professionnel public, soit et dans l'armée et dans la police nationale, là, précisément, former syndicat. Mais il y a un pile exemple qui prend tout dans l'autre pays, par exemple en France, qui a une possibilité au bail, la police, là, pour le réunir en association pour défendre le droit. Mais nous comprenons que Jodia, l'État n'a pas de quitter le problème d'arriver dans le niveau ça. Parce que lorsqu'on a une institution comme ça, côté, on va gagner à revendiquer, et c'est normal, monsieur, nous tous comprenons là, il y a des agents de la police nationale dans des conditions à vivre, soit à garder dans la prison civile un, à garder deux ou trois policiers, à garder dans la prison civile le Port-au-Prince pour nous garder dans quelles conditions policiers à fonctionner. Ça, lui-même, l'interpelle nous, comme monde qui travaille, qui bataille dans cette réflexion sur la justice. Pour intérêt droit. Et il est normal, je dis, à vous penser à une structure qu'on non voulu, syndicat qui est reconnu par la Constitution, qu'on a non la structure qui est là pour défendre droit. Il est normal pour vous penser à une structure comme ça. Mais cependant, moi-même, je dois condamner tout et acte qui posé dans le cabinet Samuel, Maître Samuel Madistin, hein, et nous condamner tout acte qui a fait tout, non seulement par oppresseur et par opprimé. Les actes femmes que Nelson Mandela te dit un jour, un combattant de la liberté, apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte. Et il ne reste souvent à l'opprimé d'autre recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Dans la logique pour nos batailles pour justice sociale, pour bien-être, pour permettre chaque grain de monde dans la société de vivre tant qu'au monde, pour permettre que liberté individuelle, droits fondamentaux, chaque grain haïtien respecté, nous devons non seulement prendre la loi comme boussole, nous, mais utiliser moyens nous gagnons pour nous permettre que l'État
li répond à responsabilité li gagne devant la loi et devant chaque grain citoyen d'un pays ça. Merci beaucoup Maître Lax Cadet pour une intervention en plus sous dossier ça qui kembe actualité à dossier qui gagne pour un mouvement qui éclaté dans base police nationale là depuis quelques temps là à travers plusieurs manifestations yo réalisées privées jusqu'à manifestation hier là qui finit sous une note qui était marquée par un pile violence et tentative pour bouler cabinet maître Samuel Madiste qui gon position publique sur question ça manifestants policiers ont allé jusqu'à stade Silvio 14 ont été tirés pendant toute parcourant jusqu'à à ce que ils ont boulé plusieurs chars qui étaient en préparation dans stade Silvio 14 chars qui t'a dû défiler dans et parcours carnaval là autorité yo toujours kembé malgré dernier incident qui arrivait sous champ de Maslan côté encore manifestants policiers ont boulé plusieurs stands qui étaient construits sous champ de Maslan. Voilà.